Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 17 février. Bon, aujourd'hui, je vais vous présenter des matchs à 1 contre 1 et quelques-uns en équipe. Aussi, ça va inclure des personnages en vedette que j'ai téléchargés. Dont un autre avec Miles, qui me prouve pas son talent. Ben, veut dire, tu sais, à quoi ça servirait de mettre une vidéo contre un ordinateur de niveau 3 en lui sautant dessus. Bon, on verra ça plus tard. Là, pour l'instant, je vais plutôt vous montrer trois vidéos des gens qui abusent leur personnage. Surtout, des attaques peut-être spéciaux ou autre chose. Ici, ça va être des attaques spéciaux qui vont être plus abusées à chaque gant. Lui, Luigi, ok. Ce qu'il va faire pour me vaincre, ok, c'est que il va surtout plutôt essayer de m'attraper puis d'enchaîner ses attaques spéciaux. Pour m'atteindre. Mais jamais utiliser de smash aérien. Regardez, vous voyez, à chaque injection, c'est une attaque spéciale qui arrive. Ne jamais courir après moi. Regardez, attraper et enchaîne avec ça. Ou bien avec un B plus côté. C'est souvent ça la majorité du temps. Regardez, encore une fois. Je pense que tu fais juste son smash show deux fois. Ça a donné qu'il a réussi son dernier KO avec ce smash-là. C'est sûr que c'est brillant, mais il ne prend pas trop l'habitude de faire ça. C'est pas le fun du tout. J'essaie de lui donner des petits coups là, pour avoir plus de facilité à les jeter par après. Regardez, il n'est pas capable de s'en passer de ça, il fait juste attraper, après ça enchaîner ses attaques spéciaux, pour vaincre ses adversaires. Ça s'appelle spammy. Demande-toi pas pourquoi que je t'ai pas suivi par après. Je pense qu'il n'est pas capable de courir et me foncer dedans. Juste capable d'attraper et faire enchaîner ses coups spéciaux. Ou m'affaiblir ou même me mettre KO. Bon, ça va être bientôt que ça va être fini. Bien beau que ce soit des KO différents, mais t'as abusé quand même de ton personnage. Bravo à toi, mais ça vaut rien. Là maintenant, allons voir un autre match que j'ai joué contre un autre joueur.
Donc lui, la seule manière qu'il a trouvé pour essayer de me mettre KO, c'est avec son placement avec Samus. Mais regardons le coup fatal qui a fait la différence. À la toute fin. Et puis c'est dû à un schmash que j'ai pas fait durant ce combat-là. Je pensais que ça allait marcher à tous les coups, lui charger son placement pour me vaincre avec ça. Enfin, pour me mettre KO avec ça surtout. Mais pas avec autre chose. Il a pas smashé. Il m'a juste donné des petits coups. Utiliser ses missiles. Point la ligne. Et ce smash aérien là. Mais rien d'autre que ça. Ça restait tout de même pareil. Quand toi tu veux m'attraper, ben bonjour à la visite. Son but c'était de m'avoir avec son placement, mais ça marche pas toujours à tous les coups. Faut que t'essaies autre chose. Tu comprends bien que c'est facile avec Samus, oui. Mais y a pas juste une manière de procéder. Alors c'est grâce à nos dates que, et voilà, un smash sur le bas, et voilà, c'est fini. Et c'est grâce à ça que j'ai gagné. Un smash que j'ai même pas utilisé tout le long. C'est en faisant une roulade que, juste avant que ça a donné comme ça. Tandis que lui, il me cherchait juste avec. Tout ce qu'il cherchait, là, c'est de mettre KO avec son B-neut chargé au maximum. C'est juste ça qu'il cherchait. Il cherchait pas à faire de schmatch. Juste m'affaiblir avec des petits coups puis m'avoir avec son plasma, mais ça n'a pas marché la deuxième fois. Et non, j'ai pas voulu rejouer une autre partie avec vous. Dû à ça. Bon, nous allons nous rejoindre pour une prochaine vidéo. Pour voir un gars. Ok, qui a marqué ceci. Revenge contre un spammer. Puis c'est Rarai. Oh. Puis Rarai, j'ai déjà eu la chance de le croiser sur ma route, probablement en équipe ou quand on était tous contre.
Nous allons voir comme nous allons voir si lui-même n'est pas un spammer.